Néro Bianca, donc qui est propriétaire des magasins Club Chaussures, achète l'entreprise québécoise Panda, donc spécialisée dans la vente de chaussures pour tout-petit depuis 1987. Pierre-Antoine, donc il faut s'attendre à voir apparaître plusieurs boutiques Panda en région. C'est ça le plan Oui, parce que les chaussures Panda est essentiellement, il y en a deux boutiques ici à Québec, mais essentiellement c'est situé dans la région de Montréal en banlieue. J'ai avec moi justement la propriétaire de groupe Néro Bianco, Jean-François Transon. On sait que la propriétaire, Monsieur. De, de, de chaussures pendant sa retraite, Linda Goulet. Pourquoi avoir sauté sur l'occasion d'acheter ce fleuron québécois? Les synergies, le potentiel, la croissance possible, tout était là pour avoir une recette de succès. Ouais, mon collègue Michel à Montréal faisait mention que ça s'en va tranquillement en région. Euh, votre stratégie, autrement dit, c'est d'amener des boutiques Chaussures Panda en région, d'en enlever du côté de Montréal, ça va ressembler à quoi? Pas du tout d'en enlever, on veut juste croître, puis ça va passer par les régions où est-ce qu'il y a une très forte demande, mais qui y a très peu d'offres. Donc, pour nous, on voit une grosse opportunité à ce niveau-là. Chaussures Panda, c'est pour les jeunes enfants. Vous en avez dans vos boutiques de club chaussures, oui. des, des produits pour enfants. Comment vous allez faire pour éviter de vous cannibaliser ou de vous compétitionner on vit déjà ensemble. C'est juste qu'on était séparés, maintenant on est regroupés, donc on va pouvoir mixer les produits encore plus intelligemment pour les clients. Ouais. Création, perte d'emploi, ça, ça ressemble à quoi ce niveau-là? À court terme, un petit peu de perte au niveau siège social de Montréal, mais de la création ici à Québec et en boutique avec les ouvertures, il va y avoir autant au siège social qu'en boutique des créations d'emploi. Voilà, Jean-François Transon. Merci beaucoup. Félicitations pour cette Merci. transaction qui soit dit en passant. Michel est, est en opération effective depuis hier. Groupe Nero Bianco qui est propriétaire de Chaussures Panda. Voilà. Merci beaucoup.